Young, c'est bientôt les Tots, tu as besoin de points FIFA, tu te rends sur youpass.com, tu peux les payer avec ton crédit téléphonique, c'est mon partenaire, donc n'hésite pas à y aller, le lien est dans la description. Yo tout le monde, c'est Wayfoot, j'espère que vous avez la forme les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, on va commencer une nouvelle série sur ma chaîne, elle va s'étendre tout au long de la fin de l'année. Ça va être la draft du dimanche, voilà, vous avez pu voir dans le titre, mais ce sera pas tous les dimanches parce que j'ai pas les crédits les gars. Du coup ça va être soit une fois toutes les deux semaines, soit une fois toutes les trois semaines. Enfin vous verrez, ne vous inquiétez pas. En tout cas les gars, on se retrouve tout de suite sur le menu de la draft. Voilà les gars, on est sur le menu de la draft. J'ai pile poil qu'à mis 15 000 crédits, excusez-moi. J'ai dû faire 20 rapides sur quelques joueurs de mon club parce que j'avais pas assez de crédits, j'avais 14 000 et quelques. Enfin bref, on va rentrer dans la draft. C'est parti les amis, hop. Alors dispositif, oh, le joli 4-3-3. Lequel est le meilleur? Pour l'instant c'est le 4, ouais. On va prendre le 4-3-3 les amis, c'est le meilleur dispositif. Allez. Capitaine. Oh là là, bah, vous savez que c'est qu'on va prendre les gars. Je vous le rappelle les gars, c'est une draft totalement détente. Aucun concept, on fait la meilleure draft possible pour se détendre, pour jouer, pour faire du beau jeu. Allez, on prend Messi. On va commencer par les remplaçants. Premier remplaçant. Ok, on va voilà la draft les gars. J'ai fait de mon mieux, voilà. Très très belle attaque avec Obama en 9, voilà, avec Rames, Gundogan, Di Maria, même si c'est pas son poste, on s'en bat totalement les couilles. C'est plus pour le collectif. Avec un petit Aurier, Thiago Silva, Godin, avec Kameni, avec lui, je sais plus comment il s'appelle, Luzinho, Rames et CR7 Totti. On est bon pour partir en match les gars, on se retrouve tout de suite dès qu'on a trouvé un adversaire. Voilà les gars, désolé, j'avais oublié de lancer. Donc notre adversaire a plutôt une belle équipe, on va laisser la cinématique pour vous voyez parce que j'ai totalement oublié de lancer. En fait, je parlais tout seul comme un gros bouffon. Du coup, je vais laisser les cinématiques de 1 pour faire rager l'adversaire et de 2 pour que vous voyez sa compo. Donc ça, c'est la sienne. Voilà, voici son équipe. Comme je le disais, il a une belle équipe, hein, franchement. Mais bon. Nous aussi, on a une très belle équipe. Allez, les gars, on se retrouve pour les meilleures actions de ce match. Allez, Aubameyang qui ouvre le score. Ce dimanche, draft. Draft du dimanche. Commence très bien, les gars. Aubame ouvre le score. Je kiffe ce joueur. 96 de vitesse. Regardez, hop, petite passe. Et là, hop. Enroulée, touchée un petit peu par le gardien, mais bon, c'est pas grave, elle rentre, les gars. Ça fait 1-0 pour nous. On se re-retrouve pour les meilleures actions. Putain, ils sont vraiment pas rapides, les défenseurs. Et voilà, l'égalisation à cause de vieux Godin de merde. Mais bon, c'est pas grave, les gars, vous inquiétez pas, on va repasser devant. Moi, je suis calme, je rage pas. Vous entendez le bruit de la manette, ça, c'est quand je rage. À mi-temps, les gars, on sort Gundogan parce qu'il pue la merde, on met Bale. Parce que. Gundogan, ça sent la race, les gars. Je suis désolé. Voilà, c'est le mi-temps. Un partout, les gars. C'est un petit peu serré, mais bon. On va passer devant. Vous inquiétez pas, notre adversaire est pas bon. Voilà, les gars, il a fait ses changements. On va faire les nôtres. C'est-à-dire qu'on va faire hop, et on va mettre le petit. Neymar. Bah, ouais. On va mettre Bale et Neymar à la place de Rames. Et on verra après. J'espère quand même qu'on va se prendre des buts sur ce foutu tout droit. Voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Wayfoot les gars. Et à la prochaine.